publié le 15 mars 2018 à 9h40, mis à jour le 15 mars 2018 à 16h20. Rédaction: à l'issue de la victoire du FC Barcelone face à Chelsea mercredi soir, 3-0, Andrés Iniesta a entretenu le flou sur son avenir. Que sa décision se porte vers un départ en Chine ou non, elle sera annoncée avant le 30 avril, comme l'a indiqué le milieu de terrain espagnol en zone mixte. Andrés Iniesta a évoqué sa satisfaction de rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, et a répété pour la énième fois toute l'admiration qu'il porte à son coéquipier Lionel Messi, double buteur et passeur décisif pour Dembélé face à Chelsea mercredi soir, 3-0. Puis le moment est venu pour le milieu de terrain espagnol de répondre aux questions sur son avenir. Et à ce sujet-là, le capitaine des Blaugrana est resté beaucoup plus évasif. C'est une décision dont je ferai part d'abord au club, et ensuite, vous apprendrez ce qu'il en est. Avant le 30 avril, je prendrai une décision. Ma décision sera la plus honnête pour moi et pour le club. Il reste quelques semaines. Il y a deux options, rester ou partir. Mais cela ne change rien au discours que j'ai tenu quand j'ai prolongé, a-t-il déclaré en zone mixte. Un départ en Chine pour Iniesta. L'international espagnol avait en effet prolongé son bail en Catalogne à vie en octobre dernier, mais avait déjà mis tout le monde en garde. Je serai là tant que mon corps et mon esprit le pourront. Pourvu que ce soit pour très longtemps. Mon intention est de rester le plus longtemps possible, mais en sachant que je ne veux pas rester pour rester ou pour accompagner. 33 ans, Iniesta semble aujourd'hui s'interroger sur son avenir, et un départ en Chine est fortement pressenti. Voir aussi, plus grand que plus grand que plus grand que Lionel Messi fait triompher un FC Barcelone moyen contre Chelsea.